Ouais. Dans la dernière vidéo, on en était au collecteur. Aujourd'hui, on va faire autre chose. Et aujourd'hui, ça va être rouille. Opération rouille. Et comme t'as pu le voir, on a démonté déjà pas mal de trucs. C'était un peu obligé parce que il y avait de la rouille un peu là, là, tout là, là-bas, ici aussi. Bref, il y en avait vraiment partout. Alors voilà, on va pouvoir faire au moins un truc ensemble. Je vais quand même te montrer comment j'ai fait. Parce qu'il y a tellement d'endroits, ça ferait une vidéo d'une heure avec le même pays qui ponce et qui... Ce serait chiant quoi. Alors pour ce faire, à partir du moment où c'est pas percé, dès que c'est percé, il faut souder, il faut réparer, il faut reboucher le trou, ce qui est logique. Okay, mais quand c'est pas percé, quand ta tôle, pas comme là quoi, du coup, elle est juste rouillée en surface, qu'elle est piquée, tu vois, et que ça craint, ça pue, ça va percer bientôt. Il te faut au minimum une brosse de fer. Tu viens brosser. Si t'es fainéant, tu peux utiliser la visseuse. Elles sont pas, elles doivent être bien frottées, hein. T'enlèves au maximum, du maximum, du maximum. Une fois que ça s'est enlevé, il te faut du Tannic ou une autre marque, je sais pas. Moi, je connais que le Tannic. Je sais que ça fonctionne super bien. Je sais même plus ce que c'est d'ailleurs. C'est un transformeur de rouille. Non. Si. Non. Bref, t'as qu'à aller voir sur internet à quoi, comment ça fonctionne. Et une fois que ça c'est terminé et que c'est bien sec, bah, une petite couche d'anti-rouille, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Opération meulage. On termine le dernier côté. Celui-là il est déjà fait, toute la face avant elle est déjà faite, donc c'est parti. Bon, ça je pense que ça sert à rien d'aller plus loin, et clairement une fois que la porte est ouverte, on a un peu de soudure à faire, il faut qu'on bouche les trous là, et c'est tellement fin. Tu vas voir, on va souder, ça va percer, ça va être la merde. Je le sens. On fait tout le long ici là, comme ça, on s'en fout, continue, ouais. Faut plus qu'il y ait d'orange. Et après tu vas voir quand on va mettre le tennis. Ah, oh, j'avais pas vu là. Oh shit. Non, on va pas faire comme si j'avais pas vu, parce que il faut quand même le faire. J'ai juste un peu peur là quand ce que je retire là ici là. Ah ouais. C'est bien ce qui me semble. Ça c'est le grand problème de la rouille, hein. C'est une fois que t'en as, mais ça se propage mais partout quoi. C'est quand même mouillé, ça craint du boudin. Oh oh. Oh! Oh, motherfucker, ça c'est pas très très cool. Merde. Bon, bah, c'est un peu plus pourri que ce que je pensais. Ça, ça me fait vraiment chier là. J'étais parti juste pour voir ça et. Bordel! Le carnage. Oh merde. Ah bah ouais, super, on voit à travers quoi. Oh putain. Oh putain. Bon, ça commence un peu à me saouler. Ça c'était pas vraiment prévu ça. Regarde ça. Comment est-ce que je vais faire, moi? On va faire celui-là parce que celui-là ici il est quand même à l'air libre, prêt à succomber à toutes les intempéries. Étant donné que voilà, il va peut-être pleuvoir mercredi, enfin sûrement vu qu'on est en Belgique. Alors, il faut mettre le Tannic. Il faut en mettre pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup, et alors tu vois, c'est tout bleu, bleu, et tu vois la rouille qui est là, qui est encore en boursouflure, et même là qui est un petit, elle est un peu orange là, et ben elle va devenir noire,
Je sais pas pourquoi. Procédure chimique, réaction chimique. Bien aller dans les coins. Partout où t'as meulé ou t'as mis ta tôle à l'air libre, Tu lui mets du tannique. Ouais, on a soudé hier, parce que bon, il était presque 23h quand j'ai eu fini, donc je soude la nuit, soudeur de nuit ici. Enfin, je vais pas t'expliquer comment je soude, hein. T'as qu'à aller voir comment j'ai fait le collecteur de la framboise. Voilà, j'en dis pas plus. Pour enlever ces boulettes, t'as pas 50 solutions, hein. Il existe du papier à poncer, il existe des limes, il existe ça. Mais ça c'est très bien ça. Faut juste mettre des gants, des lunettes, enfin, faut mettre plein de trucs quoi. Tout le truc que j'ai pas, je sais, c'est dangereux les gars, mais j'ai pas le choix. Bon, je suis pas carrossier, mais on va dire que plutôt pas mal. Il y a quand même 2-3 petits trous que je suis pas très fan. Alors tant qu'on est là, tant qu'on y a, on y va alors. Hein, comment j'avais mis hier? Alors, comme ça. Maintenant que ça c'est fait, on va remettre du tannique. On va encore mettre tannique parce que ben, le métal il est de nouveau à nu étant donné qu'on a de nouveau remuelé tout le bordel. Encore tannique et je te mets tannique. Là, partout là on a meulé. Mort. Alors du coup, je sais pas si tu vas voir grand chose avec la GoPro. De toute manière, moi j'ai pas trop le choix, je dois... Petit pinceau, on va mettre du noir sur du blanc dans le noir. Ouais. Alors, je vais pas en mettre partout, je te le dis déjà, parce que mon but c'est quand même de le mettre en noir jusque là. Du coup, je vais pas tout mettre comme ça, comme un barbare, comme un baraki. Je vais remettre juste aux endroits où j'ai ressoudé. Histoire de dire que ce que j'ai réparé sur ces deux jours là, ben ça rerouille pas encore quoi. Bon, faut y aller. Il faut y aller. Ce que je viens de faire durant ces deux derniers jours, je vais pas travailler dans les deux jours qui suivent parce que j'ai d'autres choses à faire, hein, faut pas croire, hein, pas que ça à foutre. Je me sentais quand même un peu obligé de mettre quand même de l'anti-rouille, même si c'est pour le reponcer peut-être après ou pas. C'est dégueulasse. Clairement, c'est dégueulasse, mais où il y a le blanc, je vais reponcer. Ça me dirait, tu fais trois fois le travail. De toute façon, je m'en fous, c'est moi qui le fais, c'est pas toi. Toi, t'es derrière ton écran, tu te marres, donc... Conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honestly believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. Ici, c'est grave la merde. Grave le boudin, là. Là, c'est très grave le boudin.
Alors tout le reste il est fait. Enfin en tout cas il est mis en anti-rouille. Faudra encore mettre du mastic, de la peinture pour bien faire. Ah bah ici, je crois qu'on va devoir mettre une nouvelle tôle. Oh merde, je n'ai pas. Ah zut, allez. Un peu. Ah! Eh, c'est violent, hein. Ouais, bon, on va arrêter de jouer avec ça. Bon alors, frérot, je vais pas parler chinois, hein. Là, je vais remettre une petite tôle dedans. Je vais la souder. Là, je vais faire pareil. Je vais la souder. Là, je vais ressouder les deux petits trous. Et peut-être lui et lui, si j'y arrive. Puis, je vais remettre une tôle par au-dessus. Et je vais la souder. Mais par contre, ici, là... Bon, je vais pas te faire un dessin, hein. On va, je crois que ça va se passer comme ça. Ça peut être pas mal, hein, au final. Un carré. Rectangle, pardon. Et là, ici, je coupe. Là, je vais couper là. Comme ça. Écrit bordel. Ouais. Ça va toujours bien. Pas mal là. Ouais. Ah, tiens bien, les garçons là. Oh là. Ah. Voilà, là on n'a plus de problème là. On a encore un plus grand problème. Oh. Non, je vois déjà dans les commentaires. T'en mets plein des trous, faut pas mettre autant. Et moi je te réponds, je fais ce que je veux d'abord. Voilà, une bonne grosse couche épaisse. J'en ai rien à voir, je mets mon coude dedans. Pas là pour faire dans le détail, tu vois. Moi, on me dit mets du tannique. Je mets ce qui me semble être correct en dose de tannique. Ok. Bon, je pense qu'on est clairement sur un disque mort. Je peux pas faire plus rentable que ça. Hein. Bon, je vous avoue par contre, ne faites jamais ça chez vous parce que ben, c'est quand même vachement dangereux. Si le disque il éclate, ben, il peut éclater dans ta face. S'il éclate dans ta face, ça va pas te faire du bien. Moi, je te le dis. Je vais quand même remettre mes gants. J'ai un peu froid. Voilà. On a notre
quatrième petite ébauche. Alors clairement on a fait des trucs beaucoup trop grands, mais c'est normal. Le fait que ce soit trop grand, il y a trop petit, là, comment ? Puis la grande là. Ça va le faire. Ça m'a pris 4 heures. J'ai voulu faire le dingue. On avait ça. Je me suis dit, je vais prendre la même tôle aussi épaisse. Ouais. Et je me suis dit, je vais réussir à faire ma gouttière. Comme ça, tu vois. Sauf que c'était hyper solide et j'ai galéré à tordre cette tôle. Et puis au final, ça va pas. Alors j'ai opté pour... c'est un ancien capot de BM. Tous les BMWistes, je suis désolé. Je suis moi-même BMWiste aussi, du coup. Ça m'a fait un peu de mal. Mais bon, je me dis qu'il sera mieux là. Et puis, elle est beaucoup plus fine, du coup. Du coup, j'ai pu la façonner un peu comme je voulais. Bordel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, il manque un bout ici, je le mettrai après. Elle n'était pas assez longue. Comme à la maternelle, tu vois. Le rond dans le rond, la chaussure dans la chaussure et le dernier dans le dernier. Les lunettes noires, c'est parce que j'ai été faire un petit tour à l'hôpital. Vraiment, cet œil-là est complètement défoncé. Et donc, du coup, on va reprendre là où on en était. C'est-à-dire ça. Ça ressemble à rien. Alors voilà, c'est la dernière pièce du puzzle à souder. C'est le dernier trou, quoi. Voilà. On va le souder. Et on va pas oublier de... garder les lunettes, mettre d'autres lunettes quand tu meules. Bon alors t'es prêt à te marrer parce que là ça va être vraiment dégueulasse. Vas-y, allez vas-y rigole, ha 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 ha, voilà c'est bon c'est fait. Allez merci, bonsoir. On va dire que... ouais, je connais des carrossiers qui font bien pire que ça. Connais, hein. J'en ai rien à foutre de la beauté. Je veux pas que ce soit beau. Je veux que ce soit fonctionnel. Et là, clairement, avec la tonne de soudure que je lui ai mis, si c'est pas étanche, je comprends pas quoi. Bordel ici. Bon, clairement, je sais pas ce que je vais découvrir en dessous. C'est limite, hein. Bon, Pablo, je t'attends. Il y a ta cargaison qui est prête. De la bonne, hein. C'est de la pure, t'inquiète. C'est là maintenant qu'on est censé arriver au tournevis, c'est soit ça craint de ouf. Oh putain ouais. Je sais pas si tu la vois bouger mais... là ça va mais... putain là elle est fine. Je sais pas ce que je vais faire pour ça mais... voilà.